Coucou les cupcakes, je vous reprends, on est le mardi 3 août, il est 7h11 du matin. Je suis la seule personne debout à la maison. Ça c'est exceptionnel, je pense qu'il y a quelqu'un à la douche, ça va être ma soeur ou mon beau-père qui va travailler. Là du coup je me suis installée dans le canapé, je viens de brancher mon PC, je vais me mettre sur le montage du vlog d'hier qui sort ce soir comme je ferai tous les matins. Et voilà, du coup je me suis installée, petit verre d'eau, petit plaid polaire, etc. Et c'est parti pour du montage et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée et ce nouveau vlog. Recoucou, je vous reprends, il est 10h15 et du coup j'ai fait le montage, c'est juste un peu chiant parce qu'il faut que je transfère les fichiers sur le PC de ma mère pour récupérer son clé USB pour ensuite la remettre sur mon PC à moi. Tout va bien. Bref, du coup là les garçons sont partis un petit peu dehors, ils sont plutôt calmes ce matin, là ils commencent un petit peu à s'impatienter donc ils sont partis voir les poules et tout, voilà. Et du coup moi je vais prendre mon petit déjeuner là alors que je suis levée quand même depuis très tôt ce matin. Et voilà, du coup je pense que je vais manger un petit peu de brioche avec un peu de margarine, ça ira très bien pour ce matin. Et après aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire, parce qu'en fait il fait toujours tellement beau chez maman, genre tout le temps tellement chaud, et cette année bah il fait frais, vraiment. Je suis un peu déçue parce que bon, il y a la grande piscine et tout, normalement il y a du grand soleil, on va dès le matin se baigner. Là cette année ça a l'air un peu compromis, mais je pense que c'est un peu partout pareil au niveau de la chaleur cet été. Donc bon, mais moi je m'en fous, hein. Qu'il fasse froid ou pas, j'irai quand même dans la piscine à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, du coup, on va peut-être faire des petites courses cet après-midi sur Sarlat. Quoi qu'il arrive, on vous emmène avec nous. Voilà. Il est 15h, genre peut-être plus ou quoi, voilà, on a un doudou derrière, on a une midi ici. Parce que là du coup on s'apprête à aller faire des courses, on a fait un petit ravalement de façade. J'ai confié les enfants à ma maman, on va aller faire les petites courses, on va à Sarlat. Du coup je vous emmène avec nous et il pleut. Voilà, super, moi j'ai que des mini robes, là je suis en voilà, mini robe avec Ashley au pied. Pour vous dire que je suis pas très couverte. Et comment ça se met à pleuvoir vraiment, donc on va rentrer en voiture et voilà voilà. Oui mais t'es il est plus... Je vous crois, il est 16h40 et regarde, je suis passée chez Jennifer. J'ai acheté deux petits tops et un t-shirt. Je vous les montrerai tout à l'heure si j'y pense. Et c'était grave cool. J'ai emmené Doudou avec moi. Mais il n'était pas coopératif pour m'aider à choisir les vêtements. J'ai vu le site bag de Lena Situation sur le jean. Je vous avoue, il m'a fait de l'œil. Donc, à voir dans les semaines à suivre. On m'avait prévenu, hein, genre pour Zara, ce genre de truc. Mais je connaissais pas Jennifer comme ça. Mais le concept est le même. On suit, on attend et on tend le doigt pour les saintes. Bien fait, oui, chérie. Mais. Non, mais oui, mais du coup, bah, il m'a pas aidé pour le sac, j'ai hésité et tout. Il m'a pas donné d'indication. Alors que Millie, elle me dit oui ou Berk. Bah, au moins, je sais ce qu'il en est. Et voilà. Bref, du coup, là, on va aller au Leclerc faire les courses. On continue à vous emmener avec nous. J'ai une Millie dans un loup derrière, je sais pas si vous allez la voir. On est là avec nos petites soupes à soupe, mini soupe à soupe au coca. Voilà, bref. À toutes! Je vous reprends, il est 18h, on est en voiture, on a mis derrière qui se bat sous pull. Et du coup, on est passé, j'ai trouvé le... café comme ça, Alpro, caramel soya que j'adore, donc je vais boire ça. Millie, elle s'est pris son fameux Starbucks comme d'hab. Et regarde ce qu'elle nous a pris pour le goûter. C'est clair au café, parce qu'on adore quand c'est phallique. Non, c'est pas vrai, pardon. Parce qu'on adore quand c'est au café, c'est très bon. Mais si je l'ai dit, c'est pas si bon. C'était drôle, n'est-ce pas? Bon, allez, c'était très déplacé. S'il y a des enfants, c'est pas bien, il faut pas répéter ça, il faut pas écouter ça. Alors, voilà. Du coup, puis derrière, regardez là-bas. Il y a Doudou, ce bel homme. Ce magnifique bel homme, Doudou.
Il range les courses. Il est trop mignon. Chou as fuck. Bref. On doit aller prendre rendez-vous pour faire des tests antigéniques pour cracher dedans là. Comme ça, j'ai jamais fait en fait, je dis ça, mais ça, c'est pas comme ça. La marque. Parce que, ouais. Parce que du coup, on devrait aller dans un parc d'attractions dans la semaine. Vous verrez ça dans le blog si ça se déroule comme prévu. Et du coup, il faut qu'on fasse d'abord le test antigénique ou PCR, ou vous savez, passe sanitaire, tout ça, tout ça. Mais du coup, on va faire un antigénique, ce qui est plus simple. Voilà. Très contente. Je vais boire mon petit Starbucks et. Enfin, mon petit Alpro, moi pour le coup. Et voilà. On continue à vous emmener. Par contre, j'ai presque plus de batterie. Ouais. On est rentré. Du coup, je vais vous montrer les petites courses dès qu'on aura débarrassé la voiture. Re-coucou, je vous reprends. Du coup, je suis dans la cuisine de mes parents, je suis par terre. Parce que du coup, là, ma soeur que vous entendez derrière qui fait la gogole est en train de changer le lave-vaisselle, enfin, de remettre des tuyaux parce qu'il change le lave-vaisselle. Il y a mon beau-papa, ma maman, Milly et Doudou qui papotent. Donc, si vous les entendez, c'est normal. Bref, alors, du coup. Les courses. Alors, Milly a repris un jambon pour le pique-nique. Oui. On a trouvé des yaourts. On a pris pas mal de yaourts qu'on n'a pas à la maison pour goûter. Là, on a trouvé des brassées coco fraises framboises pour Milly et moi, du coup. Oui. On a repris, bon, ça c'est un basique, mais les liégeois choco coco comme ça qui sont très bons. Oui. Tu vas faire des huit à chaque truc ? Oui. Oui. On a pris pour le matin un gros brassé végétal à la vanille, comme ça, au lait de coco également. On l'a pas goûté celui-ci. Oui. De toute façon, on garderait les enveloppes pour faire les retours. Hein, puis sinon, on vous donnerait les avis dans les blogs. On a pris celui-là aussi, dessert gourmand stracciatella coco. Oui. Oui. Au cas où vous n'avez pas compris, Milly et moi, on adore le lait de coco. Oui. Alors, Milly, c'est pris du cheddar, nous on a pris du cheddar vegan. Oui. Et c'est également repris des escalopes panées, ça adore ça. On a repris un râpé emmental, on a repris des blancs grecs comme ça aussi. De l'emmental comme ça également, Vieux Life. On a trouvé le camembert fleuri comme ça, New Rich. On l'a pas encore goûté celui-ci, on vous dira ce qu'on en pense. J'espère qu'il arrivera vers chez nous s'il est bon. Alors, ça, c'est Amélie, le Madame Loïc pour les wraps et tout. On a également repris, comme je disais, des petits cafés, tout bon, soja caramel. Le Starbucks coco comme ça qui est délicieux. Milly, bon, son fameux cappuccino. Voilà. Basique de chez Basique. Ensuite en fromage, on a aussi pris un bloc de cheddar, il y a un deuxième blanc grec et on a pris deux paquets de tranches d'emmental comme ça, pareil pour le pique-nique. Et pour finir, il y a deux sacs de brocolis congelés comme ça. Hop, ensuite je vais faire le reste des courses, je vais ranger le frais, je reviens. Je le disais, j'ai changé d'angle, la lumière est mieux. Je vous montre l'autre sac. Du coup, on a repris des maïs comme ça, parce qu'au barbecue, c'est trop bon. Et même au four, si jamais il fait froid. Hein. Mie a pris du lait amande vanille comme ça, qui a l'air très très bon. J'ai repris des monsters mangue comme ça. Ma soeur, elle adore ça. Moi aussi. De la classique. Pour les garçons, mini jus de fruits pour le pique-nique. Avec Milly, on a pris ça pour les goûter. Donc moi, j'ai pris le douceur multivitaminé et elle a pris pêche abricot. Ça ressemble un peu à du Danao, mais version végétale. Milly, c'est la marque Saint-Hubert aussi qui en avait fait pendant un temps et maintenant, elle ne trouve plus. C'est exactement ça. Milly, ça a repris du coup son arizona préféré qui est le pêche myrtille. Oui. Poire myrtille. Poire myrtille. Oui. J'avais déjà fait le plein chez mes parents. Ah, là avec et j'en ai bu deux. J'ai repris une mort subite, ma bière fave, une de mes bières faves. Des jus de fruits pour les enfants. Ici, c'est juste trois petits déjeuners. C'est clémentine orange, raisin blanc. Nous, à la maison, souvent, c'est quatre agrumes. Mais voilà, je prends celui-là, c'est pas ce qu'on et un jus de pomme. Je fais une pause, je range et je vous montre la suite. Bon, dernier sac. Si vous entendez de l'eau derrière, comme je vous l'ai dit, c'est pour le lave-vaisselle. Hein. Alors, Fizzy Picnic dit temps de mie. On a également repris un melon. Je vais par là vers les fruits et légumes. Merci, Milly. Et ça, c'est Doudou et moi, on a repris ça. C'est pour chez nous. C'est les mélanges frites et pommes sautées en épices. Pour faire des potatoes ou des frites, c'est excellent. C'est trop trop bon. C'est les frites qu'on n'en trouve plus chez nous. On a également repris des avocats. Normalement, il y en a trois. Banane. Il y en a une qui s'est ouverte d'ailleurs. Une petite tiens. Pardon. Ouais, trois avocats. D'ailleurs, on a un bien mûr là. Je vais manger bien mûr. J'ai repris également des pains au lait vegan.
ça, c'est Emily. Elle s'est pris des madeleines longues, comme ça, monsieur. C'est pour le pique-nique, j'adore. Moi, j'ai pris une brique de lait de coco. Ça, c'est parce qu'avec n'importe quoi, j'adore faire ça. Même demain, si elle fait des brocolis, mais une petite sauce curry coco. J'adore ça. Pour le pique-nique également, j'ai pris des petits biscuits comme ça. Des espèces de petits 3D. Emily, elle s'est pris des croustilles au fromage. Et pas que pour moi, mais j'ai pris les deux. Doudou a repris des petites piles comme ça. J'ai pris 5 tomates parce que j'adore les tomates quand il fait bon. Et Emily, elle a pris également des olives comme ça. Oui. Tu veux mettre des tomates ici ou je vais mettre au frigo. Voilà. Du coup, c'est tout pour le petit retour de course. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous laisse là. Je vais aller recharger le téléphone et je vous reprends tout à l'heure un peu pour parler de la suite de la journée et pour vous montrer un peu ce qu'on mange. Tout ça. Bisous. Il est 21h30, du coup on a mangé. On a ma mère qui miaule derrière, si tout va très bien. Ma soeur qui rote, bref. Un énorme. Je suis en train de filmer, on est pas grave. Hein. Et du coup, voilà, tout le monde rote, tout le monde pète, c'est génial. Voilà. Du coup, je vous laisse là, enfin je vous prends là, après je vous montre. On va sûrement goûter un des nouveaux petits desserts qu'on a acheté. Les cupcakes, on n'a pas de tabou, nous. Voilà. Tout va bien. De haut, magnifique. Très bien. Et du coup, on se posera sûrement devant la télé avec un petit dessert tout à l'heure. Parce que moi, j'ai mangé un avocado toast et j'avoue que j'ai plus faim. Donc, on va voir ça après. Et on sera sûrement un petit peu plus au calme. On fera peut-être un jeu de société ou un petit truc comme ça. Donc, voilà. Non, ceci. Vite fait, il est 23h40, on a couché les enfants et tout. Millie et Doudou sont en train de mettre les derniers trucs dans la valise à Millie. On lui se prend un cookie, on va se prendre un petit dessert, genre un petit yaourt et tout, à goûter et tout. Une petite monster, comme ça, enfin je finis ma monster mangue que j'ai pris tout à l'heure. On a regardé Vaiana du coup tous ensemble, et là je veux leur proposer le bossu de Notre-Dame, parce que la dernière fois que je l'ai vu j'étais toute petite. Moi je sais qu'il est assez violent, je voulais pas le regarder avec les enfants, parce que moi je sais qu'il me faisait vachement peur. Donc je vais leur demander s'ils veulent regarder ça en mangeant un petit yaourt ou pas. Et si on mange un petit yaourt, je vous montrerai ce que je mangerai. Je vous donnerai mon avis demain ou quoi qu'est-ce. Donc je vous laisse là. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog.